Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Victoria 3 dans lequel nous jouons la Prusse. Encore une fois, désolé, hein, je suis malade, je pense que ça s'entend, mais je vais tout donner pour cet épisode. Dans l'épisode précédent, on avait commencé à améliorer nos relations avec toutes les nations germaniques. On avait établi également notre stratégie à court terme, et on avait commencé à financer la Russie, mais ces derniers ne veulent pas nous donner d'obligations. Enfin, on n'a toujours pas eu l'obligation. On est arrivé à peu près à 100%. Ouais, on est à plus de 100% théorique d'obligation. Enfin, de probabilité de... d'avoir cette obligation, mais... Eh ben, on ne l'a pas. Au moins, ça augmente nos relations. Voilà, on est agréable. C'est toujours ça de fait. Diffusion du Pro Besmer, du procédé Besmer. On a un solde qui augmente, ça c'est vraiment pas mal. Au niveau du PIB, forcément, le début est toujours compliqué, surtout quand on finance les autres pays. C'est clair que ça n'aide pas. On a quelques mines de fer qui sont en construction. Je me souviens plus. Ok, c'est pas mal du tout. Hein. Ce qui fait que là. On a les outils, on a encore un peu les clippers. Chantier naval c'est 35, ça fera trop baisser en prix. On va faire augmenter ces mines de charbon là en niveau. On va faire augmenter deux niveaux. Et voilà, je vois que on a l'amélioration des relations qui se rompent petit à petit du fait tout simplement qu'on s'entend déjà parfaitement avec eux. Enfin, on s'entend très bien avec eux. Territoire indien, ah ouais. Ok, on pique un peu des munitions. Je vais modifier mon marché un petit peu. Je vais le faire de suite. Ah. Ah mais c'est Francfort, c'est pas bon. Alors, au niveau des routes commerciales, il y a des trucs. Voilà, ça. On protège l'approvisionnement du marché. Ça, non, ça on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Le fer, on protège. Les vêtements, les meubles, tout ça, on produit pas trop, donc on protège. Ça, on protège aussi. Ça, on protège. Ça, on protège. Le papier. Également, les artilleries, également. Ça, je m'en fiche. Ça, on touche pas pour l'instant. Le plomb, on protège. L'acier, on protège. Voilà. Ce qui fait que si on m'en importe, enfin, si on m'en exporte, ça me fera plus de bénéfices. Là j'ai tout rien, c'est fou ça. Je pourrais proposer une alliance aussi à terme. On verra, on verra, on verra. Ok, bon, on est repassé en positif au niveau du solde pour l'instant. Ça fait du bien. On est repassé en positif en influence également. Restituer l'état contre l'Egypte, ouais bon. Egypte, Empire Ottoman, ça m'intéresse pas, nous n'avons aucun intérêt dans cette crise. Ah, j'ai le nationalisme. La Prusse et l'Autriche, on devient tous les deux candidats à l'unification, donc c'est ce que je vous expliquais. Voilà, donc on a un coup de leadership. Hélas, on a toujours pas de... d'obligation de leur part, donc j'ai pas envie de lancer une guerre contre l'Autriche de suite. Voilà, Confédération, Saxe, Cobourg et Gotha. Tu sais pas où. Attends. Ah si, c'est là. Donc voilà, vous voyez, on a un petit territoire qui n'est pas à nous. Et simplement, on a dans le cadre de notre unification du peuple allemand, la Saxe, Cobourg et Gotha accepté de rejoindre notre confédération en pleine expansion. Donc c'est un pas de plus vers l'unification. Avant, il me semble que ça donnait de la famille. Maintenant, bah non. Hop, voilà. Ah, bah j'ai gagné une Saxe, mais je ne sais pas où elle est. Elle est là. Je crois. Non, même pas, je suis même pas sûr. J'ai gagné quoi alors? Incorporer un état. Ah si, c'est ça. Hein. Ouais, c'est là. Donc on va incorporer l'état. Voilà.
Et on peut voir que ça n'a même pas donné de famille. Voilà. Donc là, on a la Saxe, Cobourg et l'ancienne Saxe, Cobourg et Gotha. Je sais pas trop ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a quelques terres arables. Vraiment, vraiment pas grand-chose. Ce qui fait que je suis obligé de revoir tous les bâtiments par contre. Parce qu'ils n'ont pas forcément la même production que ce que j'ai. Ils sont même pas du tout. Il y a du fer apparemment, vu que ça m'a changé mon type de production, ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir du sucre? Je produis quoi ici? Ils sont comment au niveau prod? Pomme, ouais, patatrée. Pomme de terre. Ouais, avec les spiritueux. Non, là je suis équilibré, on va pas changer. Et ici, il n'y a pas l'air d'avoir eu de changement. Ouais, on a pas eu. Ok, très bien. Un noble nommé Otto von Bismarck s'est hissé à une position de premier plan parmi les Junkers prussiens, plaidant pour l'unité nationale allemande et le pragmatisme politique qui offre ses services à l'État. On va le nommer chancelier. »« 50% de vitesse de dégradation des relations. » Ouh, bah non. On va le nommer chancelier. Hein. Oui. 75 de... La vache. C'est énorme. Alors il est chancelier, mais il n'est pas chancelier. Ah non, si, mais... Je suis bête. Par exemple, les forces armées... ça doit être lui, hein? Non, bah il est où? Chef, Otto von Bismarck. À 23 ans, il a adoré. Oh la vache. Il est à 90, quoi, c'est ouf. Le Waldeck. Je ne sais pas qui tu es, le Waldeck. Je ne sais pas où tu es, mon ami. Alors, ça, c'est toujours la petite surprise, hein. Effectivement, il y a tellement de. C'est lui. Ouais. Le Waldeck, c'est quoi comme impôt? C'est. Moi, je m'entends pas bien avec, c'est ça, là? Agréable. Ah, pas encore. Non, 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 ça va me coûter trop d'influence en fait. Si j'accepte, c'est l'inconvénient, c'est que ça coûte vraiment trop d'influence. Donc, améliorer la relation, mais avec Francfort, Nassau, Waldeck, voilà. Mais je vais éviter dans un premier temps de faire des pactes qui consomment beaucoup. Au niveau de la société, on va également faire donc le pan-nationalisme. Et ça va me permettre de former l'Allemagne. Hop, voilà, la technologie pan-nationalisme a été recherchée par la Prusse. Et ça, on veut le faire. La Confédération Allemagne Nord, on va vouloir la faire. On a un manque d'outils, ça tombe bien, on en fabrique. Accès au marché faible en Silésie. On va faire une voie ferrée. On va retourner. Ouais, par contre, là, il y a eu plein de trucs, j'ai pas fait gaffe. Ok, là, j'ai pas eu d'obligation, toujours pas, c'est vraiment pas de chance. Papier, c'est bon. Outils, ça va se faire. Ça picote. Hein. Allez, je vais en faire un deuxième. C'est un peu embêtant, mais je vais en faire un deuxième. Au niveau du fer, ça recrute, je suppose. Ouais, ça recrute. Et il me faut du verre. On va augmenter de deux niveaux à Brandebourg. Pour l'acier. On va augmenter de un niveau en Westphalie. Francfort ne soutient plus la Prusse, c'est dommage. On va améliorer nos relations, ça va le faire. Ah ouais, voilà, ça m'a fait mal m'entendre un tout petit peu avec certaines régions, le fait d'incorporer la partie de la Saxe là. Ok. Donc on va continuer d'améliorer nos relations. Cette fois on va faire ça avec hop, les petits pays au nord. Les petites régions au nord. Hop là. Non, ça me sert à. Si, ça me sert à rien. Je suis bête. Toujours pas, hein, toujours pas l'obligation. Voilà, la Bavière me soutient. Ça, c'est vraiment cool.
Non, on peut faire un petit point ouais, sur les nations qui nous soutiennent. On est soutenu par 5 nations. Le Waldeck, le Hohenzollern, Nassau, Francfort-Bavière. Ok. Toujours pas, là, c'est vraiment compliqué, là, par contre. Là, on en aura mis beaucoup, beaucoup d'argent, là, et... L'aléatoire ne veut pas nous récompenser de cet investissement. En Silésie, oui, je pourrais faire quelques administrations gouvernementales. Allez hop. Ça me permettra d'augmenter un peu mes revenus. Alors, patriotique désactivé, ok. Bon, ils vont voir, est-ce qu'il y a un truc qui peut là. Liberté de conscience, ça c'est très bien. Là, on changera, on va vouloir ségrégation, puis exclusion, puis multiculturalisme. Mais là, en attendant, j'ai rien de bien intéressant. Ça peut être pas mal. On peut essayer les forces de police spécialisées, allez hop. On va l'essayer. Ah ouais, c'est les junkers qui m'apportent énormément de. Attends, junker, junker. Oh non, même pas. Noblesse oblige? Oh, je sais pas. Ok. Confédération avec la Nalt. Là, on l'a vu tout à l'heure. C'est là. Voilà. Donc là, on va choper ça, ce petit territoire. Donc on va un pas de plus vers l'unification. Bah, c'était toujours pas celui-là. C'était là? Je sais pas. Je prends des territoires, j'ai aucune idée de où est-ce que c'est, les gars. C'est dur quand même. Est-ce que je peux les. On va voir. Je peux incorporer. Non, même pas. Mais j'ai aucune idée d'où est-ce que c'était. Je l'ai vu en plus. Ah, si, c'est ça. Ah, il y avait un petit territoire ici. Ok. Bon, c'est mignon. Comme d'habitude, on va checker les bâtiments, voir s'il n'y a pas eu de gros changements. Non. Et non. Ok. Là, on est pas mal hein, niveau outils, on a bien baissé le prix des outils. Bon, c'est pas encore parfait, hein, mais ça fait du bien. Là, on a une voie ferrée ouais, qui est en cours de construction, c'est bien. On est bien remonté surtout au niveau du solde, parce qu'au niveau du solde, il va nous en falloir 30 000 de plus pour les Français et la Grande Bretagne. La France et la Grande Bretagne, ouais. Bon là ça va faire 3 ans, on est à 150% de taux de théorie de réussite sur l'obligation russe. 150% les gars. Ah, on s'entend vraiment bien avec eux. Tu m'étonnes, vu l'argent que je leur ai versé là. Facile, un petit 600 000. Ça les met bien. On avait tant que ça. Ah oui, on avait les administrations gouvernementales. Je me demandais pourquoi on avait tant de construction de ça alors que je me souvenais pas en avoir mis les masses. Là, les outils, on en a quelques-uns en construction. L'école des langues. Soit je fais plus d'assimilation, mais plus de radicaux par la discrimination. Pendant 5 ans. Et ça me fait.
Petite bourgeoisie, église angélique. Ça m'intéresse pas. Alors, la Saxe Weimar va nous rejoindre. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est là. Ça, par contre, je l'ai. La Saxe, je vois où c'est. Donc, à pas de plusieurs unifications. Voilà, la Saxe prussienne grandit. On fait un petit tour sur les bâtiments, comme d'habitude. Hop, j'ai bien fait. Ici aussi, voilà, les mines, ils en avaient et qui n'avaient pas les mêmes types de production que moi. Là, ils ont pas. Ok, ça me va. Hop là. Les voies ferrées, on va les passer en wagon de bois, dans wagon de passagers en bois. Et on va les diriger par le gouvernement. Ça me fera moins de capitalistes. Capitalistes, ce sont des industriels. On va faire ça, ouais. Des industriels. Je vais pas trop en vouloir, je pense, sur. Comparé au gameplay avec la France, je vais éviter de trop en avoir. Ça changera. Ok, la Silésie, on est toujours en. Ouais, 23 semaines. Ça va faire combien? 3 ans? Ouais, c'est ça, là, je suis plus de 150%, je dois être à plus de 160 même. C'est pas de peau. Ça a 50% de chance de promulgation de la loi. 65 maintenant. Ok. Ok, j'ai mes relations. Combien augmenté avec le Nassau. Le Waldeck. On va voir si je peux augmenter encore un petit coup. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Voilà, améliorer les relations avec. On va tenter avec Hanovre. Hein. Voilà. Voilà, un début de partie tranquille. Mais ça change. Hein. Ça change du gameplay avec la France où tour 1 c'était. Enfin, tour 1. Premier jour c'était déjà la conquête d'Algérie, je crois. Amélioration rompue, ok. On a bien amélioré nos relations. Donc on va continuer avec la Barème et. L'Odenbourg. Et normalement, on sera bien avec un peu tout. Ce qui fait que là maintenant, je peux accepter le Lübeck. C'est où le Lübeck? Alors, ça c'est. Où es-tu? C'est toi le Lübeck? Ah non, c'est pas toi le Lübeck. Ah, c'est ça. Ouais, eux, je veux bien en général. Ils sont assez vite assimilés, même si ça me fait baisser 150 d'influence. Ouais. Et eux, ils veulent toujours pas. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont. Je vais relancer, je vais cesser de financer, je vais confirmer. Et hein? Je peux pas. Comment ça, je peux pas? Ah, bah oui, j'ai plus assez d'influence. Oh là là, Mandalay de Mandalay. Qu'est-ce que je viens de faire? Ça c'est pas bon ça. Bon, je vais arrêter ça alors. Ouais, je vais relancer le financement. On va voir si ça va recalculer, je sais pas, peut-être que ça. C'était perdu dans une boucle. Ah oui, bah oui, bah là ça a été rapide. Non mais. Ah bah, impeccable, bon. On a l'obligation. Ça a été rapide, ça a été instantané, quoi, presque. Alors, on a l'obligation due. Donc, je vais cesser de financer. Hop, je vais montrer un peu plus ça pour le let's play, parce que là, j'ai beaucoup moins de sauvegarde. Donc, il faut. Bah oui, il y a moins de guerre, donc il y a moins de sauvegarde, forcément. Et on va passer sur la France. On va commencer à financer. Sauf que là, la France, c'est pas 20 000, mais c'est bien 52 300, 900. Voilà. Donc, plus c'est court avec la France, mieux ça va être. Là, faut pas que ça mette beaucoup de temps. Parce que, fou. Ouais, on a clairement un solde bien négatif. Ah, j'ai eu un
espoir pendant un temps. Je me suis dit, oh yes, déjà. Un pas de plus vers l'unification, c'est le Schwombourg-Lip. Je ne sais pas où c'est, comme d'hab. Schwombourg, 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 Schwombourg-Lip. Ah, Lip, c'est par là, donc. Ce serait pas ça. Voilà, c'est là. Ok, on va accepter. Avec joie. Ok, ça fait toujours pas partie d'un autre... Ok, ça va. C'est la Westphalie. Ok, c'est compté comme Westphalie. L'intérêt pour le Rhin est activé. Ok, ça va. Bon, ça va mettre un temps. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais bon. L'accès au marché est faible en Silésie. Oui. Ça arrive, ça arrive. Hein? J'en ai pas besoin? Ou alors il n'en produit pas assez? Ah si, j'en ai besoin. Il n'en produit pas assez. Ok. Ouais, ok. Obligation de la France. Obligation de la part de la France. Regardez-moi ça. Ça allait très vite cette fois. Diplomatie. L'envoi à une obligation envers la Prusse. Ça c'est bien. Donc on va cesser de financer. En plus on aura des relations neutres. Ça va. Et on va commencer à financer. Voilà. Le dernier des trois géants. Enfin des trois grands on va dire. La Grande-Bretagne, ça coûte un petit peu moins cher que la France, ça me va. Ah, d'ailleurs, j'ai des affaires coloniales. Est-ce que je peux déclarer un intérêt? Je peux pas déclarer d'intérêt. Sud des États-Unis, pour l'instant, on s'en fiche. Donc, je vais déclarer un intérêt pour les Angie. Oui, j'ai bien mis là. Hein. Et on va faire nos premières colonies au Kenya. Dès que je vais voir que l'intérêt a bien été déclaré en bas, on va envoyer la petite colonie. Ok, l'Egypte est en train de gagner contre l'Empire Ottoman, ça me va. Là, on produit même assez d'argent. Pour l'instant, parce qu'on va avoir les... Comment ça s'appelle? Les administrations gouvernementales. Et elles vont nous coûter bon. Très bien, donc établir une colonie, voilà. Au Kenya. Ah non, je le montre bien. Ouh, c'est 3 ans par... Ah oui, c'est... C'est cher. C'est très cher, dit. Donc c'est pas mal, au moins on a notre colonie imprégnée. Bientôt la force de police spécialisée. Putain, ça va être limite au niveau bureaucratie, non? Même pas. Ah bah non. Parce que j'avais déjà autre chose, mais... j'avais déjà le même, mais qui était dans... J'avais déjà cette loi, mais qui était un petit peu différente. Donc ça va pas me coûter plus cher. Là, on peut mettre 68 si j'ai que ça. On va passer à 68%, ce sera toujours mieux. J'ai pas spécialement besoin de d'autres lois. Je pourrais mettre police secrète. Eux, ils veulent pas du tout. Donc on va pas le faire de suite. Voilà. Allez, on n'attend plus qu'une obligation de la part de la Grande-Bretagne. Pour lancer notre demande auprès de l'Autriche. En espérant que cette fois ils sont pas alliés avec... Pour l'instant ça va, il faudra que la Grande-Bretagne se dépêche. Si elle veut bien. Non. Non. Et non. Confédération avec la S. Ok, donc la S qui est normalement quelque part par là. La S, c'est la S tout court, la S. Ok, c'est eux. Donc on aura bien en plus un lien vers leur terre, ça c'est très bien. Ce qui fait que là par contre, je crois... Voilà, je vais devoir les incorporer. Hop, c'est ce petit territoire là. Est-Prussienne. Un petit tour des bâtiments comme d'hab. Ah bah j'ai bien fait. Hop, ranch, pâturage, agriculture intensive, pompe à feu. C'est bien, il y avait des bâtiments, moi, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y avait des bâtiments et que ça a bien produit. Hop.
Pénurie d'acier, vraiment? Si je fais ça? Oh, c'est bizarre ça. Les places de marché. On va voir. Ah bah oui. Ah bah oui, bah, au niveau des outils, je serais pas mal. Hein. Bon, j'ai des usines d'acier en cours, je crois. Alors, on va faire une usine d'acier au rang 5. Voilà, ça, on va le faire passer. Tac, tac. Hop, on va juste. Tu sais quoi? Hop, voilà les trois là. On va le finir celui-là quand même. On va finir la verrerie, faut pas déconner quoi. Là, ils ont toujours pas. Ils m'ont toujours pas donné de. D'obligation, ok. Mais c'est pas mal là, on a déjà eu deux. Je suis plutôt content. Qu'il y a pression isolée. Ah oui! Oui, bah oui. Donc, je suis obligé de faire un port en fait. Ouais, non, mais j'ai un peu oublié quoi. Un peu beaucoup, totalement même. Ok. Francfort ne soutient plus la Prusse. Pourquoi? On est cordial pourtant. On a 52, les gars. Coup de munitions annulées. Ouais, ils doivent faire leurs propres munitions. C'est bizarre ça. Bon, ils soutiennent plus, c'est pas grave. Voilà, on est même en positif niveau soldat. C'est fou. Ok, intérêt pour Nord-Germanie. Mais oui, moi, tout ce que je veux, c'est une petite obligation de ta part, mon ami. C'est pas méchant, hein. Enfin, c'est pas méchant. On fait ce qu'on veut après, mais. Ok. On a nos relations qui sont améliorées avec la LIP. Est-ce que je peux encore? Oui, je peux améliorer avec la Brème. C'est vrai que j'avais mis en pause. Donc j'avais fait des bêtises. Ok. 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 Ok, ça c'est cool, la France qui améliore nos relations mutuelles en plus. Il faut que je prenne l'habitude de laisser plus longtemps les pop-up pour le let's play. Déclare sa neutralité, vieille méthode, on s'en fiche. Ça c'est. Ok. Faire un petit tour quand même de ça. Ouais, je suis vraiment en dèche d'acier là. C'est vraiment la dèche de chez la dèche. Moi, ouais, pourtant, en vrai, j'en produis pas mal. Hein. Ordre de vente. Ah non, ouais, 263, ouais non, c'est pas assez. Je pensais que j'en avais plus, hein. Mais non, non, j'en ai pas un peu plus, j'en ai un peu moins. Mais là, avec deux usines, ça devrait être bon. Deux usines supplémentaires. Hop, monument du roi, alors, monument du roi. Une statue du roi Frédéric Wilhelm von Ozon. Hohenzollern, ça va être une cata, c'est let's play. Au niveau de la prononciation. Oh, s'il y a des gens qui savent parler allemand, ou si c'est même leur langue natale, hein, s'il y a des Allemands, je suis désolé. Je suis vraiment sincèrement désolé. Mais mon accent est infâme. On va pas faire ça, voilà, on va baisser un petit peu l'approbation du Junker. Mais on va pas se mettre à dos tout le reste. Le Lübeck, qui est ici. Voilà. On va l'incorporer. Et on a un port, donc on a. Ok, ça, heureusement qu'on a un port. Comme ça, il est bien lié à notre marché. On est passé quatrième puissance mondiale devant l'Autriche, c'est bien. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Là. Toujours pas, bon, est-ce que je referai pas une petite technique de tout à l'heure, confirmer. Hop, commence à financer. Ça avait bien marché la dernière fois. Toi, non. J'ai. Par contre, j'ai. Je peux
peux améliorer mes relations, je vais le faire aussi avec le Luxembourg. Voilà, je peux pas plus. Ah, bon, l'Empire ottoman s'est bouffé. La Grande est un tas de coups diplomatiques. Ok, contre l'Empire chic. La Brême soutient désormais l'Autriche. Oh. Vous moi là. Vous allez voir. Trop de yeux là, de toute façon vous pourrez pas soutenir l'Autriche. Allez l'Angleterre, s'il vous plaît. Une petite obligation là. Avant qu'ils se fassent des alliés. Voilà, ça fait 4 ans. Bah, ça fait 4 ans, bah, depuis que la partie a commencé. Ah. Et ouais, je vois que je vais arrêter l'épisode pour aujourd'hui. Voilà, on est sur la demi-heure. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude tous les lundis, mardis, jeudis à 11h pour les épisodes de Let's Play. Le vendredi, en général, c'est un Let's Play narratif. Et le vendredi, pardon, le mercredi et le week-end, pour de temps en temps, des épisodes un peu spéciaux qu'on n'a pas forcément à voir avec le jeu vidéo. Allez, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, c'était Thiob. Ciao!